espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, attention, très importante. The muy importante vidéo. Voilà, je pense que c'est la vidéo la plus importante de l'année sur notre chaîne. C'est ce que je viens de dire, mais en espagnol. Pour la collection la plus importante de notre boutique. Donc ça fait beaucoup de choses importantes dans cette vidéo. Avec les deux personnes les plus importantes du monde. Je parle des nounours, hein. Pas de nounours. Ce qui les intéresse, c'est les bougies. C'est pas c'est ça. Ah, parce que je voudrais pas être casse-noisette. Les stars de cette vidéo, c'est les bougies et c'est pas Damien et ses blagues. Hein. Alors, c'est ma petite touche personnelle que je rajoute. Ah, merde. On a un conducteur. Je crois que c'est la première fois qu'on filme une vidéo. Pardon. Je me reprends. C'est la première fois qu'on filme une vidéo avec un conducteur. Comme les professionnels, la télé, tout ça. Les mecs, ils se... Léon, portable, attention. Ah, peut-être j'en ai perdu le conducteur. Ça commence bien. Les mecs, ils se prennent pour Drucker. Ici, hein. Bah, je fais le conducteur. Parce qu'on a plein d'informations à vous donner. Information importante que j'aurais pu... Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Monsieur, dame. Bonjour, bonjour Biscotte. Aïe, Biscotte à nos pieds, si vous ne l'avez pas vu. Bonjour tout le monde. Bonjour. On espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Tout le monde va bien? Tu vas bien? Ça va, et toi? Biscotte, tu vas bien? Dans cette vidéo, il y a un concours. Attention, vous n'êtes pas prêts, car il y a... J'en fais un petit peu trop, un je concours. Sais. Vous allez pouvoir gagner en fait les 4 bougies qu'on va vous présenter dans la collection. Et là, il a fait une gourde parce qu'il a déjà dit le nombre de bougies qu'il y avait dans cette collection. Une bourde. Une bourde. C'est une gourde. C'est moi qui ai gourde, excuse-moi. Vous noterez qu'on a fait un effort pour la déco. On a nos bougies tout autour de nous. Voilà, il y a des bougies un petit peu partout. Sur la cheminée, il y a la bougie boule de neige. Sur la petite table, la bougie fabrique de sucre d'orge. Et à côté de Damien, la bougie les délices de Noël. Il n'en manque une. Elle est sur la table là-bas et c'est l'atelier du Père Noël. Il y a les 4 bougies à gagner, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On a voulu créer un univers autour de cette collection et on a réalisé un mini-film, un micro-film, justement pour introduire l'univers de cette collection qui nous a pris un certain temps et qui nous a demandé aussi un long voyage. On a beaucoup voyagé hein, pour cette collection, on a parcouru des kilomètres et des kilomètres, donc j'espère que vous resterez regarder ce film juste à la fin de la présentation. Donc, programme très chargé, hein. Programme très chargé, hein. On vous présente la collection, il y a le concours et également, on vous balance le petit film. Et les blagues pas drôles de Damien. Pour ça, ponctuer de temps en oui, temps. Ça ne manquerait, ça ne manquerait. Les bougies de cette année sont présentées dans des jars qui ont été fabriquées comme l'année dernière par notre verrier de Barcelone. Alors vous savez qu'on travaille avec lui pour les bougies événementielles. Alors pourquoi des jars? Parce que cette année on voulait des bougies qui embaument les plus grandes pièces. Comme vous le savez, la surface de combustion a une incidence sur la diffusion du parfum. On ne peut pas comparer par exemple des pots à confiture, donc les petites bougies qu'on propose habituellement, à des jars, parce que la surface de combustion n'est pas la même, donc forcément un pot à confiture va embaumer un petit peu moins qu'une jarre qui est beaucoup plus large. C'est arrivé qu'on compare nos bougies pot à confiture avec des bougies qui font 1 voire 2 kg. Ouais, je vois pas trop le rapport, mais pourquoi pas. C'est pour ça que cette année, on voulait proposer des bougies un petit peu plus conséquentes, qui font leur poids, parce qu'elles font pratiquement 800 grammes, donc des grosses bougies, qui vont embaumer les plus grandes pièces. Mais qui embaumeront aussi les petites, hein, rassurez-vous, ça embaume toutes les pièces. Hein. Ça embaume tout le monde. On accepte tout le monde, les grands, les petits, les moyens, les larges, les pas larges, tout le monde est bienvenu. L'étiquette, comme l'année dernière, a été illustrée par mes soins, parce que vous savez qu'à la base, je suis graphiste. Et ça me tenait à cœur, encore une fois, cette année, d'illustrer les étiquettes. Donc, c'était un petit peu plus de boulot cette année, parce qu'il y a quand même 4 bougies. Donc, ce que vous savez pas, en fait, c'est que Mathieu, il prend vraiment une feuille blanche, ses crayons, il a un pot avec tous ses crayons, toutes les couleurs et tout, pastel, pas pastel, bref. Il dessine réellement l'étiquette, qu'il va poser en fait sur une tablette graphique, et il repasse en fait pour la dessiner à l'ordinateur. Le visuel est ensuite envoyé à l'imprimeur, qui va imprimer tout ça sur du papier recyclé. Et ça devient l'étiquette que vous avez en fait sur la bougie. Tout est fabriqué dans les Pyrénées-Orientales, pays catalan, sauf les parfums qui sont élaborés par notre maître parfumeur de Grasse, parce que voilà, Grasse est reconnu pour ses parfums. C'est les meilleurs en termes de parfums, même aux États-Unis, la ville de Grasse et la France en général est reconnue pour ses parfums. Et même en fait tous les autres parfumeurs du monde viennent se former auprès des parfumeurs grassouillés. Des grassiens? Des parfumeurs de Grasse, de grassouillés. Ah, ça commence bien. Ça manque de grâce tout ça. Bref. Comme on vous le disait, cette année, il y a 4 bougies. La première est la bougie boule de neige. Alors, le nom a fuité parce que Damien, dans un live, n'a pas tenu sa langue. J'ai mégouru. Je voulais dire boule de gomme et malheureusement j'ai dit boule de neige. Comme tu as fait fuiter l'information, bien que ce n'est pas une information hautement confidentielle, mais bon quand même. La CIA était sur le coup. On voulait un minimum garder la surprise, mais c'est pas grave.
Alors Damien, ton impression sur cette bougie? Alors pour moi, la bougie, quand vous la sentez, en fait, c'est la bataille de boules de neige dans la forêt. Vous avez l'impression d'être entouré de sapins, de fleurs hivernales, et en même temps, il y a le côté givré de la boule de neige, en fait, que vous tenez dans votre nez. Alors, comment le parfumeur a réussi à créer cette impression? En mélangeant les parfums, non? En mélangeant les parfums, mais surtout en travaillant avec différentes notes. En note de tête, on retrouve des notes de rose, des notes de fleurs blanches, des notes de menthe, qui donnent ce petit côté givré, comme décrivait Damien. Et l'impression que disait Damien de se retrouver au plein cœur de la forêt, c'est lié au fait qu'en note de cœur, on retrouve notamment du santal et du cèdre. N'hésitez pas à aller sur notre site dolijack.com, vous retrouverez notamment la pyramide olfactive. La deuxième bougie, l'atelier du Père Noël. Alors là, l'atelier du Père Noël, c'est vous fermez les yeux, vous êtes dans son atelier, c'est-à-dire que vous sentez la cheminée. Pour moi, c'est ma préférée parce que c'est celle en fait qui me rappelle le plus de souvenirs et qui véhicule le plus d'images. Et quand vous fermez les yeux, vous avez toutes les images. Vous avez la feu de cheminée, vous avez l'atelier avec le bois dessus où il fabrique les jouets, où il teste. Vous avez le fauteuil en cuir. Père Noël n'est pas très vegan, mais bon, voilà. Le fauteuil en vieux cuir près de la fenêtre, avec la neige derrière. Cette bougie vous emmène dans son atelier. Encore une fois, c'est un parfum avec des notes boisées, mais aussi des notes cuirées. Alors cuirées, ça se dit, hein, parce qu'on nous appelle la fusion cuirée, ça se dit. On trouve notamment des notes d'aiguille de pin, de cèdre et de santal. La troisième bougie, c'est la fabrique de candy cane. Donc la fabrique de candy cane, donc sucre d'orge en français, vous avez le côté sucré, mais pas que, parce que c'est surtout en fait le fruit. Vous sentez vraiment le fruit, c'est vraiment très fruité. Et il y a une légère impression en fait de givré, pour donner l'impression en fait de la fabrique au milieu de la neige. Pour moi, par exemple, c'est vous balader en fait dans le village de Noël et en passant devant la fabrique, en fait, vous avez l'odeur qui vient. On trouve des notes de mûre, de cassis et même des notes de rose. Et encore une fois, on retrouve également des notes fraîches. Donc vous n'avez pas l'effet sucré hyper présent parce que celui-là reste dans la fabrique. Mais par contre, tout l'aspect fruité vous arrive et se mélange en fait à la fraîcheur de l'air. Ouais, exactement. C'est cette impression en fait de se promener et on passerait devant la fabrique qui est grande ouverte. Vous avez la bouffée de parfum qui vous arrive en fait. Pour cette bougie, on retrouve des notes de cassis, de mûre, de poivre, de groseille, de rose, de myrtille, de framboise, de laurier, avec des notes un petit peu plus fraîches et des notes subtilement également boisées. Donc toujours pareil, tous les détails sur notre site internet. Et la dernière bougie, et non des moindres, puisque c'est ma préférée de cette collection, c'est la bougie Les Délices de Noël. Alors là, pareil, si vous continuez en fait votre promenade dans le village, vous passez devant la fabrique de gâteaux. Et vous avez tous les gâteaux en fait qui se mélangent. C'est impressionnant ce parfum. J'ai l'impression de retrouver le cookie, la brioche de Noël, les spéculoos, vraiment tout. Toutes ces odeurs en fait typiques du gâteau de Noël que vous pouvez imaginer, avec toutes les épices complexes qu'il y a dedans. On l'a fait sentir à un ami qui est boulanger, qui lui a une mémoire olfactive justement de tous ces gâteaux de Noël, et en fait il nous a dit qu'il retrouvait tous ces parfums-là, c'est-à-dire le panettone, la brioche de Noël, le spéculoos. On se retrouve avec un parfum hyper complet, avec un panel de senteurs impressionnant pour une seule fragrance, pour vous donner un petit peu les notes de cette bougie et vous dire tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. On retrouve en tête des notes de lait, de raisin sec, de gingembre, en note de cœur, des notes de biscuits, de pâtisserie, des notes de brioche, des notes de sucre, des notes de noix de muscade. Je vais pas tous les citer parce qu'on en a pour 3 heures. Voilà pour les 4 bougies que vous retrouverez sur notre site internet dolijack.com. On vous met un code promo. Avec ce code promo, vous aurez 10% sur l'intégralité du site, donc pas seulement sur la collection de Noël. En ce qui concerne le concours, comme on vous l'a dit en début de vidéo, on va organiser un petit concours pour permettre à l'un de nos abonnés de gagner les 4 bougies. Pour participer, c'est très simple, il suffit de commenter cette vidéo en nous indiquant, attention. La question Jean-Pierre. Il va y avoir un petit film juste après, et dans ce film, il va falloir répondre à la question, qui joue le rôle du traîneau? Je vous aide un petit peu, regardez bien jusqu'à la fin du film. Vous avez un indice, bon indice, hein. Pour participer, c'est très simple, vous mettez le rôle du traîneau en commentaire. Voilà. Encore une fois, un petit bonjour, un petit merci quand même, parce que moi juste genre un petit slack, merci du voyage. Et pour éviter toute polémique, parce que souvent, quand il y a des concours comme ça, on a vu qu'il y en avait un ou deux qui ne sont pas contents d'avoir perdu. Il y a toujours des déçus. On fera le tirage au sort en direct, pas de doute possible. Sur ce, on vous laisse avec la vidéo, on espère qu'elle vous plaira. On ne se retrouve pas dimanche, parce que du coup, on aura peu besoin de repos, hein, parce que ces derniers jours c'était un petit peu compliqué, je pense que vous comprendrez. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt Noël. Quoi, comme ça on est tranquille, c'est fait. Alors Amy, tu veux écrire la lettre au Père Noël? Non, je veux regarder des dessins animés. Tu veux qu'on l'écrive ensemble? Je veux regarder Netflix.
si tu dis pas au Père Noël ce que tu veux, bah lui il pourra pas t'apporter les cadeaux que tu souhaites. Le Père Noël il n'existe pas. Le Père Noël n'existe pas. À l'aide, au secours. Père Noël il existe, Amy. Père Noël existe. Je l'ai rencontré personnellement. Damien l'a rencontré aussi. Damien, il est pas là. Hein? Tous les deux, on a rencontré le Père Noël. Un gars comme ça, le chic type. Hein. Non seulement on a rencontré le gars, le Papa Noël, mais en plus il nous a laissé visiter son village. Le village du Papa Noël. Il nous a dit, écoutez les gars, je suis un petit peu fatigué, je suis un petit peu claqué, je vous laisse mon traîneau, allez visiter et puis revenez quand... quand vous en aurez marre, vous revenez. Donc on est monté dans le traîneau du Papa Noël et on s'est laissé transporter par les reines féeriques là, Rodolphe, Tonnerre et Josiane. Hein. On a traînoté, on va dire ça comme ça, 5 bonnes minutes. Ça va vite, hein. Les reines de Noël, ils vont très très vite, ils ont pas que ça qu'à faire. Hein. Et puis on est arrivé au village de Noël et c'était très joli, hein. Des beaux paysages. Pittoresque. On a rencontré les petits gars, hein, parce que tu penses bien que le Papa Noël travaille pas tout seul. Hein. Les petits trolls de Noël, hein, c'est toute une organisation rondement menée. Et on a vu de nos propres yeux, attention, hein, que c'était là-bas qui réceptionnait toutes les lettres des enfants sages. Hein, ils ont un service poste. C'est pour ça que c'est important d'écrire la lettre au Papa Noël. Et ensuite, ils transmettent la lettre à l'atelier du Papa Noël qui va fabriquer les jouets en fonction des souhaits des gamins, des enfants. Des enfants sages. T'as une preuve ? Une preuve ? Oui. Tu dois avoir ça quelque part. Tu dois avoir ça. Oui. Hop, tenez. C'est qu'une bougie ? Oui, voilà. Voilà, effectivement. C'est une bougie. Voilà, c'est une bougie. Mais, pas n'importe quelle bougie. Cette bougie renferme une histoire. Une histoire que je vais te conter. Il était une fois... Non, ça c'est nul. Un jour... Ah, c'était le soir. Un soir... Tout commença... Un soir... De Noël. Cher Père Noël, nous sommes un couple d'artisans ciriés passionnés par notre métier. Cette année, nous ne souhaitons pas de cadeaux. Notre souhait le plus cher serait de partir dans ton village féerique. Ainsi, nous pourrions insuffler la véritable magie de Noël dans nos bougies. Gros bisous de nous trois et joyeux Noël. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. Et c'est ainsi que naquit la nouvelle collection de bougies de Noël. Oh!
Dolly and Jack.